First resolve that the conference express its appreciation of the work of the Secretary General, his staff, and the interpreter, whose efficient and untiring services have contributed so greatly to the successful functioning of the conference. The second resolution, resolve that the members of the Paris Peace Conference convey to the government of the French Republic, through its distinguished president, Mr. Bidault, their sincere appreciation of the many courtesies extended to them during the period of the conference, the hospitality of the officials of the government, and the courtesy and generosity of the people of Paris have contributed to facilitating the work of the delegates and making pleasant their stay. Господа делегаты, мы выслушали также речь, которая говорила о том, что, в которой говорилось о том, какое значение имела настоящая конференция. И, конечно, каждый из нас в настоящий момент переживает такое состояние, когда он подводит итоги проделанной работе. И не только те, которые здесь находятся, но и те многие люди, которые находятся за пределами этих стен, и которые гораздо больше, чем нас здесь, сидящих в этой зале. And therefore I join wholeheartedly in expressing our grateful thanks from the youngest typist to the Secretary General for the great work they've done in helping us to carry through our task. Déjà, nous entendons certaines paroles d'optimisme qui sont accueillies avec grand espoir. Que nos efforts ne s'arrêtent pas là. Ce sont les actes qui conduisent à l'entente et par conséquent à une paix solide. La conférence qui finit aura eu au moins le mérite de montrer au monde qu'il lui faut se comprendre et s'unir. Puisse-t-elle être un point de départ, un premier pas qui sera suivi d'autres plus faciles, et puisse notre première et vaste confrontation encourager les gouvernements à s'entendre pour réaliser ensemble la paix de justice et de durée qui leur est réclamée par les peuples. I join also in the thanks to Mr. Bidault and will hammer their future out on the anvil of discussion. They will disagree. They may be separate political parties, but in the last resort they're French. And as Frenchmen, they show the resilience and bring their nation back to the position it should so rightly occupy and is filled with such glory through all her history. Sir, I won't enter into the difficulties of the conference except to say this one last word. It has been said that
the seeds of every great war were sown in the settlement of the previous war. But it's equally true that the seeds of permanent peace can be sown at the end of a great war. And every decision I have to take, and I hope every decision that others have to take, will be in the recognition that if we take a wrong decision or push our own point of view too far, it is not this generation that has to pay for it. It's the generations yet unborn. And in no field of public life are men and women gathered together to legislate for the future as they are in making peace. Messieurs, je veux tout d'abord remercier très vivement Monsieur le Premier délégué de la Chine, dont la courtoise attention me donne le privilège de présider à son dernier stade la séance finale de la conférence. Il y a aussi les difficultés de fond. Et de ce point de vue, l'une des moindres n'est pas celle qui résulte du fait que l'établissement du règlement d'après-guerre a commencé par les pays satellites et non par le pays qui fut l'ennemi essentiel. C'est l'Allemagne qui a déclaré la guerre et autour de laquelle se sont groupées toutes les forces ennemies de la liberté. Il était malaisé de débattre des traités de paix avec les satellites. Je ne dis pas avant qu'un traité soit conclu avec l'Allemagne, mais avant que les grandes lignes du sort de l'Allemagne aient été déterminées par les gouvernements alliés. Car les décisions qui avaient à intervenir à ce sujet, ou qui auront à intervenir, exerceront une influence décisive sur la future organisation de l'Europe et par conséquent sur le sort et la situation de tous les États vaincus. Les circonstances sans doute ont imposé la méthode qui a été suivie. Elle a néanmoins hypothéqué nos travaux. Quoi qu'il en soit, je crois que la conférence a travaillé de son mieux. Ce qui a dominé nos discussions, nous le savons tous, c'est la franchise. C'est en pleine clarté que se sont affrontées les thèses, et l'opinion mondiale n'a rien ignoré de nos litiges et même de nos polémiques. Nous ne pourrions que nous en féliciter si la franchise des explications avait pu conduire à l'unanimité des décisions. Il n'en a malheureusement pas toujours été ainsi, et nous ne pouvons pas, au terme de nos travaux, dire encore que la conciliation des points de vue est à l'heure actuelle réalisée sur tous les points. J'entends même, dans certains discours et dans beaucoup de commentaires, parler d'une division plus sérieuse de la constitution de blocs rivaux dans le monde. Il n'y a pas lieu de dissimuler le péril qui résulterait d'une telle situation s'il était vraiment sans espoir d'y échapper. Voilà qui explique non seulement la lenteur et la difficulté des décisions, mais l'anxiété des peuples en attente de la paix. Que du moins, la claire conscience que nous en avons nous conduise tous à faire avec bonne volonté et résolution l'effort nécessaire. Разумеется, советская делегация присоединяется к этим добрым словам благодарности и признательности. Если бы я имел возможность еще более красноречиво высказать эти пожелания, я бы это сделал. Will now become the duty of the Council to try to reconcile our differences.
Such reconciliation necessarily means disappointment for some of us, and probably for all of us. But we must exercise self-restraint to maintain our common unity and to bring peace to a war-weary world. The service they have rendered fully justifies the position of the United States in urging, since September 1945, that this conference be held.